RN88, c'est 10 km de deux fois deux voies. C'est 140 hectares d'espaces naturels, agricoles ou forestiers, d'artificialisés. C'est 20 hectares de zones humides détruites. C'est une centaine d'espèces protégées impactées et c'est 226 millions d'euros d'argent public, le nôtre, de dépensés. Tout ça pour gagner 1 à 3 minutes de temps de trajet. Malgré nos alertes, le chantier de la RN88 a débuté en urgence début janvier. Nous avons dû avoir recours à la justice pour tenter de le stopper, mais le tribunal de Clermont-Ferrand vient de rejeter notre demande. À l'heure du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, alors que l'État affiche des objectifs de zéro artificialisation nette et de zéro perte nette de biodiversité, ce jugement est aussi inexpliqué qu'inexplicable. En démocratie, nous avons une deuxième chance pour faire valoir le droit auprès du Conseil d'État. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Nous avons confiance en notre justice, mais notre justice a un coût important. Entre le travail salarié fourni depuis des mois, le recours à un huissier, à l'avocat au Conseil d'État et les heures passées à éplucher les 2000 pages du dossier, il nous faut rassembler 18 000 euros pour pouvoir continuer. Et vous seuls pouvez nous aider. 300 dons de 60 euros et nous pourrons poursuivre notre combat. Alors ensemble, stoppons ce massacre injustifié. Sauvons la nature en Haute-Loire. Sauvons ses paysages magnifiques, sa biodiversité exceptionnelle, ses sources et cours d'eau, ses fermiers. Chaque don est important. Nous comptons sur vous.